Je m'appelle The Devil May Cry 78. Non, trop sale, c'est trop sale. Yo les gens, salut à tous, c'est Arsène, mes frères, et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Donc aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé hier en me disant TK, bon, comme tu mets du temps, bah dans ce cas-là, tu vas nous montrer pièce par pièce ce que t'as fait. Et c'est avec grand plaisir. Pour cette nouvelle vidéo les gars, pour ce nouveau justement endroit que je vais vous faire montrer. Déjà d'ailleurs, mille merci hier pour les 17 000 pouces bleus, ça m'a vraiment fait toucher. Je pensais vraiment que vous n'allez pas jouer le jeu. En plus la vidéo, j'ai sorti à 23h. Et je vais vraiment vous remercier, j'espère que vous en ferez autant. Et mille merci aux personnes qui le feront. Donc aujourd'hui, je vais tout simplement vous présenter un peu le salon que j'ai fait, qui n'est pas encore fini. C'est pas vrai, là vous allez dire, mais putain, mais il est fini. Non, il n'est pas fini, non. Donc ici, nous avons un miroir d'antiquité. D'accord, que j'ai acheté. Le prix, on le dit pas parce que ça fait beaucoup de débats. Un chandelier avec une table, avec 4 chaises, d'accord. Donc ici, il manque le tapis, d'accord. Sur les côtés, on parle de côté ici, il manquera de la déco. Donc tout ce qui est côté, ça sera de la déco, d'accord. Ensuite ici, nous avons un salon que j'ai moi-même personnalisé. J'ai mélangé un peu moderne et un peu, j'ai bien dit, un peu oriental. Parce que, beaucoup, surtout ma famille, ouais, etc. Non. Je vais mettre un petit côté moderne. Donc, comme vous avez pu le constater, ici, on a un canapé façon un peu dégradé. C'est-à-dire un peu entre le gris et le noir. C'est du gris et noir. Et puis voilà, d'accord. Ici, nous avons une table basse avec un tapis aussi dégradé, un peu blanc et gris que nous avons là-bas, d'accord. Ici, un meuble télé, d'accord, avec une télé Sony OLED. 4K, d'accord. Ce n'est pas un placement de produit. Hein. C'est pas ça, non, ça, il faut bien. Parce que tu as cité la marque. C'est important de le dire, d'accord. Ensuite, le côté oriental que j'ai mis, c'est ces trucs-là, d'accord. Là, on met des bougies, donc j'en ai mis deux. Je pense, pour les gens qui me connaissent, j'aime beaucoup les bougies, en sachant que par jour, vous demanderez à Dylan, qui est juste derrière, j'en mets à peu près 4 à 5 par jour. 86, tu veux dire? 4 à 5 par jour des bougies. Et c'est un investissement. Hein. 5 bougies par-ci, 5 bougies par-là, tous les jours. Ça fait de l'investissement, d'accord? Ouais. Ensuite, ici, nous avons un sort de vase avec des branches, justement, avec des petites guirlandes. Qui donne un peu un côté, regardez. Si on éteint tout, ou si je vais mettre derrière juste pour voir la caméra, d'accord, ça ne dérange pas. Hop, attends, je vais mettre derrière pour voir ce que là, ça fait. Là, on a la lumière du couloir, mais ça, sinon... Ça, montre ce que ça fait là-bas. Ça rend bien. Ça rend vraiment super bien. On va se tourner côté de la télé aussi. Côté télé, pour vous montrer un peu ce côté chaleureux que ça donne. Ça donne vraiment un côté chaleureux, vraiment. J'ai vraiment misé sur le côté convivial, c'est-à-dire, tu sais, là, par exemple, on a allumé les lumières, etc. J'ai vraiment misé sur le côté convivial, je me dis, tiens, le soir, tu allumes les lumières, tu manges, etc. Et le soir, t'éteins, tu fais la vaisselle, tout le baratin, t'éteins tout, comme ceci. Et là, tu te poses vraiment sur ton canapé. Netflix and chill. Ouais, t'as plus de lumière, t'as que des bougies d'ailleurs qui sentent super bon. Dylan, tu ne contrediras pas, je pense. Même Dylan, quand il regarde à chaque fois, putain, ça sent super bon. Mm-hmm. Donc voilà, voilà. Donc ici, il manquera juste un peu quelques décos ici qui vont être sur le côté. Et puis là, avec un gros tapis qui va arriver aussi là, en bas. Et puis voilà, ce qu'il faut savoir, c'est que ma cheminée sera aussi active. Donc là, j'ai rendez-vous avec le proprio très prochainement. Pour avoir l'autorisation de mettre la cheminée, donc je vais pouvoir mettre mon petit bout de bois, etc. Ça c'est vraiment quelque chose de vraiment super génial. Mais j'aime vraiment cet appartement parce que du sens où j'ai vraiment fait les choses à mon goût, j'ai choisi vraiment ce que j'aimais, et voilà ce que ça donne au final. C'est pas trop serré, c'est pas trop, tu vois, c'est pas trop blindé, c'est vraiment le juste milieu, parce qu'un appartement justement qui a beaucoup d'espace, ça a besoin aussi. Moi par exemple là, si je veux, je peux faire de la trottinette. Tu vois, mais rigolez pas, c'est vrai, je peux faire de la trottinette. Et c'est ça qui est bien, d'accord. Donc voilà. Bon après, comme on a des gros crados, bah, on a mis tous les cartons, tous les poubelles ici. Non, je rigole, c'est pas vrai. Ici, tout ce qu'il y a là, c'est tous les cartons en ce qui concerne les mousses acoustiques. C'est bien dit, c'est ça. Ouais, les mousses acoustiques. Donc ouais. Voilà. Donc voilà pour les côtés appartements. Et ce qu'il faut savoir aussi, c'est que cet appartement-là, nous avons des portes. Ah. Ça, c'est méga typique, stylé. Ça, c'est vraiment stylé, ça. Typique, hop, on peut fermer. On peut carrément tout fermer. Regardez comme ça. C'est important de la faire rentrer. Hop. On ferme tout, tac tac tac. Tu peux. Ouais, c'est bien. Ouais. Mais moi j'ai vraiment voulu laisser quelque chose d'ouvert, quelque chose de spacieux. Et puis voilà. Mais en tout cas, le meilleur reste à venir. Hein. C'est vous qui me l'avez demandé, tiens, TK. Moi, j'avais pas forcément envie de vous montrer parce que je voulais vraiment que ce soit tout fini. Mais vous inquiétez pas, parce qu'encore là, ce que je vous montre, comme j'ai pu le dire au début de vidéo, rien n'est fini dans le salon. Là, c'est juste un aperçu, mais voilà, juste comme ça, t'as l'impression que le salon, il est fini. Hein. Mais moi, j'ai envie de rajouter vraiment des petites couches personnelles, etc. C'est vraiment des choses à mon goût, tout en restant moderne. Ça, c'est important. Et puis voilà.
Bah écoutez, c'est tout, je crois qu'on a fait le tour, je crois qu'on a tout dit. Et puis, sans se les rêver, je vais sur cette fin, il y a un compte sur la fin. C'est comme, mille merci aux personnes qui soutiennent et plein de bonsoir. Je vous aime, bisous.